Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer des rouleaux de texture que vous pouvez trouver très facilement dans la boutique de Patricia Bazin, donc la boutique Funipat. Ce sont donc des rouleaux de texture que vous pouvez donc appliquer sur votre pâte polymère ou éventuellement sur donc votre porcelaine froide. Et donc, en voici trois différents. Donc, vous avez une texture avec des fleurs. Vous avez un autre avec une texture un peu plus spirale, comme ceci. Et vous avez un troisième où vous avez ce type de texture. Voilà. Donc on va faire un test avec les différentes textures. Donc pour cela, je vais prendre différents motifs au niveau des pâtes pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Donc je vais prendre mon rouleau pour aplatir ceci. Voilà. Et alors on va lui appliquer une texture pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Je vais passer à la map. Bon, au niveau des bords, on va les égaliser. Voilà. Et pour celui-ci, je vais utiliser donc le rouleau un peu plus donc celui avec le type d'arabesque. Voilà. Donc il suffit tout simplement de poser son rouleau et d'avancer en appliquant une pression au niveau du rouleau. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la texture. J'espère qu'on voit bien le rendu. Voilà, donc c'est vraiment très très facile d'utilisation. Donc après, il vous suffit bien évidemment de prendre votre emporte-pièce et de réaliser donc la pièce de votre choix, donc peu importe. Donc on peut prendre éventuellement du papier pour pouvoir faire un bord. Voilà, on va prendre par exemple celui-ci et on va prendre une partie de chaque motif. Voilà. Je pense qu'il n'a pas été bien découpé au niveau de la pointe. Alors, il suffira bien évidemment de réaliser une première cuisson. Et ensuite une deuxième pour pouvoir lui donner une semelle. Voilà, donc je vais prendre un autre type de pâte. Parce que c'est sûr que, bien évidemment, si vous utilisez une pâte avec une couleur unique, vous aurez beaucoup plus de rendu. Donc je vais prendre par exemple ce mélange ici maintenant. Voilà, et je vais prendre le deuxième type de rouleau. Donc pareil, vous le déposez au début et vous roulez jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu de celui-ci. Et alors ici pareil, donc, soit vous utilisez un emporte-pièce ou alors vous faites une forme complètement aléatoire. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez. Y a vraiment plein de possibilités au niveau des formes. Donc là, je vous apprends absolument rien du tout. Et donc pareil, il suffit de passer une première fois en cuisson et ensuite d'apposer
Une semelle, donc voilà au niveau du rendu de celui-ci. Alors au niveau du troisième rouleau, je vais vous le montrer sur une pâte peut-être un peu plus claire. Donc je vais prendre un morceau de pâte ici que je vais aplatir et passer à la machine à pâte. Voilà. Je vais prendre le cran zéro. Donc de la classe 180. Je vais conditionner la pâte un petit peu parce qu'elle est un petit peu dure. Alors ces rouleaux sont vraiment très très simples d'utilisation. Il vous suffit vraiment d'apposer une pression pas trop trop forte, hein. C'est pas nécessaire. Et alors ben, ça vous donne des textures super sympas. Donc je vais affiner les bords. Et alors, on pourra réaliser la texture numéro 3. Voilà, donc c'est celui-ci avec les fleurs. Donc c'est parti. On fait exactement pareil. Donc une petite pression au niveau du rouleau. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça donne vraiment un relief à votre création. Et alors il vous suffit d'utiliser un emporte-pièce ou éventuellement de couper selon vos envies. Voilà, je vais prendre celui-ci. Alors bien évidemment, il vous restera à passer tout cela au four pour réaliser ensuite une semelle. Donc vous passez au four bien évidemment selon les indications du fabricant. Donc je passe tout ceci en première cuisson et je vous reprends pour le résultat. Voilà, on se retrouve après donc la cuisson. Donc celui-ci avec les effets fleurs, je lui ai mis donc une semelle avec le reste des effets plutôt arabesques. Voilà ce que ça donne. Donc on a éventuellement un recto verso. Concernant donc l'arabesque, je lui ai mis un doublon au niveau avec sans texture celui-là. Et donc comme j'aimais bien les paillettes qu'il y avait dedans, donc voilà ce que ça donne. Et donc il faudra bien évidemment lui faire une semelle parce que c'est pas très joli. Et quant à celui-ci, donc on voit quand même mieux les textures quand c'est cuit. Je lui ai juste rajouté donc un petit rebord. Voilà. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, ce sont les semelles. Ici, ben, je pense que la semelle ne sera pas nécessaire. Je pense que l'idéal serait de lui faire un bord. Ici, donc, soit éventuellement avec l'extrudeuse ou on peut faire tout simplement un colombin qu'on vient mettre ici. Et alors ici, on peut lui faire une semelle. Donc, on peut prendre éventuellement des restants de pâte. Généralement, c'est ce que je fais. Je prends les restants de pâte de mes créations en cours. Et j'en fais une semelle. Donc ici, je vais pas prendre quand même cette pâte-là, ça va pas être tip top. Donc ce que je peux prendre, c'est un restant de pâte noire et lui faire une semelle. Voilà, je vais prendre les deux ici. Mes gants sont un petit peu trop grands, c'est un peu embêtant. Alors, on n'aura plus de motif, mais ça, on s'en fiche un peu. Le principal pour la semelle. Donc, de ce côté, ça pourrait aller ici. Il manque un petit quelque chose. Voilà. Alors, ce qu'on fait, on découpe tout autour. Enlever le surplus.
On peut utiliser plein de choses, hein. On peut utiliser le scalpel. Moi, j'aime encore bien utiliser cet outil. Voilà. Une sorte de scalpel. On retire l'excédent. Et alors, il restera. Ah, il y a un petit bout qui est parti. Bon, c'est pas trop grave, je vais essayer éventuellement de le rattraper. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre une éponge pour avoir une texture justement sur, sur la semelle. Et on rabat bien évidemment les bords en réalisant la texture. Va quand même être embêtant ici, il manque quand même un petit morceau. Je pense que ce sera mieux. Alors on a différentes sortes d'éponges. Moi j'ai celle-ci et j'en ai une autre qui marque un petit peu plus. Ça dépend un peu. Ça fait un effet plus marqué avec l'autre éponge. Où est-ce qu'elle est? Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et alors, quand on rabat les bords comme ceci, après, ce qu'on peut faire, c'est prendre son scalpel et retirer le surplus. Je vais voir si ça marche avec celui-là. Sinon, je prendrai. Oui, je vais plutôt prendre un scalpel pour ça. Donc on retire tout simplement le surplus. Il suffira alors à ce moment-là de faire une deuxième cuisson. Et personnellement, je ne trouve pas, en tout cas je ne perce pas plutôt mes créations avant la cuisson. Je les perce généralement après. Donc si c'est fort épais, j'utilise ma Dremel. Et bah, si c'est pas trop épais, bah, j'utilise alors l'espèce de petit mandrin à main. Donc c'est une espèce de vis, je vais vous montrer. Et vous arrivez, voilà. C'est vraiment très facile. Alors vous avez forcément ici le petit bout qui tourne. Et donc ben vous tournez comme ceci. Donc quand la création n'est pas trop épaisse, j'utilise ceci. Et alors il y a différentes mèches que vous pouvez utiliser. Voilà. C'est super pratique, comme ça vous ne devez pas sortir la Dremel. Le petit chouïa ici, parce que c'est pas beau du tout. Voilà, donc celui-ci est quasi prêt pour la deuxième cuisson. Alors là, comme il y a un petit trou, je vais peut-être le laisser. Donc, la semelle tout simple, hein. Aucun souci. Donc, concernant le suivant, on va voir au niveau de la semelle. Donc, pour celui-ci, on va lui faire un joli pourtour. Maintenant, quelle couleur, ça, j'en sais rien. Si on lui fait blanc, ça va pas être top. Donc, je vais prendre les restants de noir et voir un petit peu ce que ça donne.
C'est vrai que c'est pas évident de faire un colombin qui est tout de la même épaisseur. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, on ira chercher l'extrudeuse. Parce que là, sans aucun problème, on utilise l'embout de son choix pour pouvoir faire des contours super réguliers. Voilà, mais c'est pas le but ici. Le but était de, bien entendu, vous présenter les rouleaux à texture. Donc on lui fait un pourtour et on va l'aplatir ensuite. C'est pour ça, je vais voir si la fimo liquide est nécessaire. Je vais toujours couper ici. Et là, voilà. Je vais prendre ensuite un outil de texture. Pourquoi pas pour pouvoir lui faire quelques petits motifs. Le but est bien évidemment de cacher la jointure entre les deux pièces. Moi personnellement, ça me convient pas trop mal comme ça, si ce n'est que cette partie-ci est un petit peu trop imposante à mon goût. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre éventuellement un dotting tool et y mettre quelques structures pour donner un look un petit peu plus sympa à notre jointure. Et ça, bien évidemment, c'est selon vos envies, c'est selon ce que vous souhaitez obtenir comme but final au niveau de votre création. Ça, justement, c'est vraiment perso. Alors, on va terminer ici. À mon avis, pour celui-ci, au niveau de la fixation, ce sera un clou à vis. Ce sera la manière la plus simple de pouvoir monter ce pendentif. Voilà, on va faire exactement pareil. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Côté pile, côté face et la jointure. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et pour le troisième, moi j'ai envie de dire qu'il ne lui manque pas grand-chose. Si ce n'est que peut-être lui poncer un petit peu les bords ici pour limiter un peu les arêtes. Et alors, au niveau du pendentif, bah, pourquoi pas le présenter comme ceci ou comme ça. Ça dépend un petit peu, ça dépend un petit peu de vos goûts. Donc, on voit vraiment bien le rendu. Donc, le rendu de celui-ci, c'est ce rouleau. Voilà. Alors, le rendu de celui-là, c'est ce rouleau-ci. Et le rendu
du dernier. Donc ce sont les fleurs. Voilà ce qu'il nous donne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, vos remarques, vos suggestions, pardon. Je me ferai bien évidemment un plaisir d'y répondre. Donc, vous retrouverez ces rouleaux de texture sur la boutique Funipat, qui est directement accessible dans la barre de recherche sur Facebook, ou vous tapez dans votre moteur de recherche www.funipat.fr. Et donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain tuto ou éventuellement une revue d'un autre produit. Je vous dis donc à très bientôt. Bye!